On peut dire que 2020 a été une bonne année de séries à succès pour Netflix. De Emily in Paris à The Queen's Gambit, une troisième série semble avoir rejoint le rang des séries stars en à peine quelques jours. Les Chroniques de Bridgerton, une romance prenant place au 19e siècle en Angleterre, mais qui n'a absolument rien d'une intrigue à la Jane Austen. Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Alors, le 25 décembre dernier, Netflix a sorti une nouvelle série qui a déjà bien fait parler d'elle. Et quand je vous ai demandé sur Instagram si vous l'aviez regardée, j'étais choquée de voir que déjà la moitié d'entre vous l'avait vue. Donc je me suis dit, faut que je fasse une analyse. Alors pour vous donner un peu le cadre de l'intrigue pour ceux qui l'ont pas encore vue, l'intrigue se passe en 1813, donc on est censé être sous la régence du roi George III. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, je vais pas parler des incohérences historiques de l'intrigue, tout simplement parce que c'est pas le but recherché de la série. Tous les personnages sont des personnages fictifs, à l'exception de la reine Charlotte et du roi George III. Par exemple, on peut comparer avec la série The Rain, une série d'ailleurs que j'ai adorée, mais là, on était vraiment sur des personnages qui étaient censés avoir existé, des personnages réels, et donc cette série avait fait hurler les historiens à juste titre. Mais voilà, je pense que c'était important de noter que les Chroniques de Bridgerton, ce n'est pas du tout une série historique, c'est purement une fiction qui questionne notre point de vue de l'histoire. C'est une série qui se veut résolument moderne, en reprenant d'ailleurs l'intrigue principale de Gossip Girl, avec des costumes glamour et au goût du jour, et des personnages qui boivent, qui fument et qui couchent beaucoup ensemble. Donc bref, vous avez l'aperçu de la série, maintenant on commence l'analyse. Alors, on perd pas les bonnes habitudes, je vais commencer par vous présenter la costumière du film. Donc la costumière c'est Hélène Mirojnik, qui est une costumière new-yorkaise, et Hélène n'en est pas à son premier essai puisqu'elle a déjà 43 ans de carrière derrière elle, ses derniers films les plus remarquables étant The Greatest Showman, pour lequel elle a reçu un award des meilleurs costumes, ou encore le film Maléfique avec Angelina Jolie. Mais pour Bridgerton, elle a vraiment franchi un cap, parce qu'on parle vraiment du plus gros projet de sa carrière, avec plus de 200 artisans qui ont bossé sur les costumes, donc ça fait du monde à briefer. Plus de 7500 costumes ont été créés pour la saison 1, les gars. Le personnage de Daphné à elle seule porte 104 robes différentes, et la reine a une tenue différente à chaque scène. Genre, il n'y a pas deux scènes où elle a la même tenue, tu vois. Faut savoir aussi qu'absolument tous les costumes de la série, de ceux de Daphné à la reine, aux servantes, donc des robes, accessoires, comme les gants, les chaussures, les sacs, tout ça, ça a été fait main. Et donc ça a demandé une préparation de 5 mois. Donc les costumes ont une énorme importance dans la série, vraiment c'est l'une des choses qu'on remarque le plus avec les décors. C'est vraiment ce qui détermine l'esthétisme de la série. Et donc on peut se demander quelle a été l'inspiration d'Hélène pour créer ses costumes. Donc elle a eu trois grandes inspirations. La réalité, la haute couture et Shonda, qui est la réalisatrice de la série et qui avait d'ailleurs également réalisé Grey's Anatomy. Par la réalité, j'entends la mode réelle du 19e siècle. Donc Hélène a vraiment respecté les silhouettes de l'époque, avec notamment des tailles très hautes et des tombées assez droits, assez verticaux, et pour les hommes plutôt la mode dandy. Ensuite, quand je parle de l'inspiration haute couture, on va avoir des éléments beaucoup plus récents, des ornements inspirés de ceux des maisons de couture dans les années 50 ou 60, ou encore plus récemment, donc Hélène a dit dans un interview qu'elle s'était inspirée des ornements du défilé printemps-été 2018 de Chanel, ou encore de la coupe d'une robe Dior des années 40. Et enfin, la dernière inspiration que je vous disais, donc Shonda, la réalisatrice. Donc pour Hélène, il fallait quand même respecter l'esthétisme de Shonda qui existait un petit peu déjà dans les séries qu'elle avait produites, avec une certaine palette de couleurs et des costumes toujours très fashionable, qu'on soit sur une série moderne ou plus historique. L'idée c'était donc de faire un mélange de ces trois points de départ et de faire quelque chose d'inspirant, tout en se posant la question, est-ce que les filles qui regardent la série aujourd'hui porteraient ces vêtements ou pas? Du coup, comme je vous disais, les silhouettes du 19e siècle ont plutôt été respectées. Ce qui rend les costumes modernes, c'est tout ce qu'il y a autour en fait. C'est tous les accessoires, les ornements, mais également le choix des matières, des couleurs et des motifs. Les costumes ont été créés par couches, la première couche étant donc la silhouette du 19e siècle, sur laquelle on vient rajouter petit à petit de plus en plus d'ornements, jusqu'à obtenir ce rendu qui est très très moderne. Donc dans un interview, j'ai vu qu'un journaliste demandait à Hélène si elle avait vu les critiques des historiens par rapport à ses costumes, et celle-ci a répondu que non. Non, mais qu'elle était persuadée qu'ils allaient la tuer et qu'ils auraient tout à fait raison de le faire, mais que de base l'intrigue étant tirée d'une série de livres, le lecteur doit utiliser son imagination pour se représenter les costumes de l'époque, et que avec la série également ils ont voulu laisser une part de rêve et donc de ne pas se contenter de faire une reproduction des vêtements de l'époque. Voilà, du coup maintenant on peut passer à l'analyse du style des personnages.
La première chose qu'on peut remarquer, c'est l'opposition de deux esthétismes très différents pour la famille Featherington et pour la famille Bridgerton. Pour les Featherington, on est vraiment sur quelque chose de très over the top, donc très exagéré, exubérant, très expérimental aussi, avec des couleurs assez criardes. Et d'un autre côté, on a les Bridgerton, donc beaucoup plus proches de la haute société, puisque bah ils se font inviter par la reine à boire le thé. Daphné a carrément tapé dans l'œil de la reine, et celle-ci veut qu'elle épouse son neveu, le prince de Prusse. Et donc pour cette famille, on est sur quelque chose de beaucoup plus lisse, beaucoup plus harmonieux. Donc si on compare les deux palettes de couleurs, pour les Featherington, on va avoir comme des splashes de couleurs à l'écran. Donc des couleurs agressives, acidulées, comme le orange, le jaune fluo ou le fuchsia. Et pour les Bridgerton, on est plus sur un espèce de camailleux, genre un dégradé, avec des couleurs beaucoup plus douces et poudrées comme le bleu ou le gris. Et d'ailleurs, ces couleurs sont aussi valables pour la décoration des intérieurs des deux familles. Et ensuite, j'ai vu que les familles avaient un emblème. J'ai pas trop remarqué ça à l'écran, je l'ai vu dans un interview. C'est vrai qu'ensuite, on peut voir des petits détails qui le montrent. Donc en gros, les Featherington, leur symbole, c'est le papillon, et les Bridgerton, c'est l'abeille. Les costumes sont totalement représentatifs des statuts des deux familles. Les Featherington, ce sont des nouveaux riches, ils connaissent pas encore toutes les règles de la haute société, ils veulent faire leur preuve et être acceptés. Mais pour l'instant, les filles Featherington n'ont aucun courtisan, aucune proposition de mariage, elles semblent être totalement invisibles aux yeux des hommes. Donc par leur tenue, ce serait comme une tentative de la mère de montrer à la société qu'elles existent. Alors que pour les Bridgerton, on est un petit peu plus sur le haut du panier. Ils sont déjà partis de la haute société, ils ont pas vraiment leur preuve à faire. Ils suivent toutes les règles et sont très polis, donc ils se fondent beaucoup mieux dans le décor. Pour parler un petit peu plus des personnages, donc on a Daphné, d'une beauté totalement naturelle, innocente. Elle porte quasiment exclusivement du bleu. Même ses accessoires en fait sont d'une simplicité déconcertante. Et d'ailleurs, quand le prince lui offre une parure de diamant, on voit que genre elle aime pas, que c'est pas son style et qu'elle aime pas le porter. Donc ses vêtements sont pas là pour la sublimer, mais seulement pour mettre en valeur sa beauté naturelle. Alors au contraire, on a sa sœur Héloïse qui se met pas du tout en valeur avec ses vêtements. Contrairement à Daphné, elle porte très peu de décolleté, elle a toujours des cols assez couverts. Et on peut expliquer ça par deux choses. La première, c'est sûrement une volonté de montrer que c'est la plus jeune des deux et qu'elle est pas encore en âge de se faire courtiser. Et la deuxième, c'est que Héloïse souhaite plus que tout rester une femme indépendante, une écrivaine qui n'a pas besoin de mari, et donc elle veut mettre plutôt en avant son esprit plutôt que son physique. On peut remarquer que Lady Featherington, c'est l'un des seuls personnages dont les silhouettes des robes ne correspondent pas du tout aux silhouettes du 19e siècle. C'est une femme très très coquette, on voit qu'elle a peur de vieillir, elle fait tout pour avoir l'air mince et jeune, et donc pour elle on a des robes avec une taille beaucoup plus basse et beaucoup plus fine que ce qui se faisait à l'époque. Alors je sais que j'ai dit que c'était pas le but de la série de faire une reproduction des vêtements de l'époque, mais à faire une analyse mode, je trouve que c'est quand même intéressant d'en discuter. Donc voyez pas mes comparaisons comme un reproche pour la série, pas du tout, c'est juste une explication et une interprétation des costumes de la série. On a une deuxième exception aux silhouettes du 19e siècle, et c'est la reine Charlotte, dont les robes sont plutôt inspirées du 18e siècle. Et en fait, ça s'explique par deux raisons très cohérentes pour le coup. Déjà par le fait que la reine Charlotte a commencé son règne au 18e siècle, et ensuite par le fait que la vraie Charlotte, donc la vraie reine dans la vraie vie, elle était un petit peu vieux jeu, genre conservatrice, et elle exigeait qu'à la cour, on continue de porter ces grosses robes assez bouffantes avec des cercles à l'intérieur pour donner du volume. Donc voilà, la monarchie anglaise était assez dépassée, plutôt en décalage avec les autres modes qu'il y avait en Europe à cette époque. Et donc ça explique les tenues de la reine dans la série. Alors faut bien distinguer les vêtements qui se portaient à la cour et ceux qu'on portait la journée pour marcher et les robes de bal. Donc dans le tout premier épisode, quand les jeunes filles arrivent à la cour pour être présentées à la reine, on a donc une petite incohérence puisque vous voyez que leurs robes ne correspondent pas justement aux robes de la cour anglaise que la reine Charlotte exigeait. On a des robes qui correspondent plus aux robes de la cour française avec des tissus blancs brodés d'or et d'argent et une coupe assez droite. Sinon, à part ça, pour les autres robes, on est totalement dans les silhouettes du 19e siècle, donc comme je l'ai déjà dit, avec une taille très haute et un tombé vertical. Donc à cette époque, on a le retour des corsets brassières et on peut en voir quelques-uns dans la série. Par contre, dans la série, on peut voir que c'est une véritable souffrance pour les femmes, qu'on les serre au maximum jusqu'à ce qu'il y en ait qui tombent d'évanouissement. Mais faut savoir que historiquement parlant, c'est pas hyper vrai, puisqu'à cette époque, on pratiquait plus vraiment en fait ce lassage hyper serré. Ça n'avait tout simplement pas d'intérêt au niveau des silhouettes, puisqu'on avait des silhouettes
assez droite et pas des tailles très fines. En fait, le corset était surtout là pour soutenir la poitrine. Et en plus, on les portait avec une chemise en dessous, pas que le corset soit en contact direct avec la peau. Pour parler plus largement des accessoires, comme je vous disais, c'est ce qui va vraiment apporter cette modernité au costume de la série. Donc là, on a des anachronismes en vois-tu, en voilà. Par exemple, dans l'épisode 2, j'avais repéré une paire de talons aiguilles. On peut également parler des coiffures, qui n'ont pour le coup rien à voir avec les coiffures du 19e siècle. Donc là, Hélène, elle s'est fait plaisir, elle a été hyper créative avec des papillons, des plumes, des fleurs, tout ce que vous voulez. Les bijoux également correspondent pas à ce qu'on portait à l'époque, puisqu'ils sont beaucoup plus gros. Comme d'hab, c'est les Featherington qui détiennent la palme du kitsch, puisque pour Daphné, par exemple, on a des bijoux beaucoup plus fins, donc davantage de ce qui se faisait à l'époque. D'ailleurs, la plupart des bijoux viennent des archives de Swarovski, et certains tissus utilisés pour les vêtements étaient d'ailleurs pré-perlés, et donc beaucoup de cristaux sur les vêtements venaient également de Swarovski. Et enfin, je pouvais pas finir cette vidéo sans parler un minimum des hommes dans la série. Donc au 19e siècle, c'est la mode du dandy. Donc c'est un style qui cultive l'élégance, la finesse et l'originalité. Donc voilà, pour les hommes aussi, on est sur des silhouettes qui respectent ce qui se faisait au 19e siècle, c'est-à-dire le fameux costume 3 pièces, pantalon, veste et gilet, toujours de couleur noire ou sombre. C'était un costume aussi bien porté par les hommes les plus aisés que les bourgeois un petit peu plus modestes. Ce qui faisait la distinction entre les classes sociales, c'était là encore les accessoires. Donc la qualité des tissus, la montre à chaînette en or, les gants, la canne, donc, bref, tout ce qu'il y avait autour. Donc là encore, Hélène a apporté un petit peu de piquant avec le choix des motifs et des couleurs, en ajoutant également des détails au cou, en changeant la forme des cols. Mais globalement, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus sage que les tenues des femmes dans la série. Du coup, je vais terminer en vous donnant mon avis sur les costumes de la série. Alors pour être honnête, j'ai eu un petit peu de mal au début à m'y faire. Je trouvais que les costumes, c'était vraiment too much. J'avais l'impression qu'il y avait pas du tout de cohérence entre tous les costumes, donc entre ceux des Featherington, des Bridgerton et ceux de la reine Victoria. Donc au premier épisode, j'étais un peu en mode genre c'est quoi ce bordel. Mais en fait, plus t'avances dans les épisodes et plus tu comprends le rôle des costumes qui reflètent vraiment la psychologie des personnages. Et au final, maintenant que j'ai terminé la série, je trouve que c'est vraiment un travail de titan. Je pense que Hélène a relevé son pari haut la main. Donc le fait de créer des tenues qui respectent les silhouettes du 19e siècle, mais en même temps que le spectateur d'aujourd'hui pourrait très bien vouloir porter lui-même. Donc voilà, j'attends vos avis également pour savoir ce que vous avez pensé des costumes de la série. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bisous !